Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur tvmada.com et radiomada.com, le cœur et la voix de Madagascar, chers internautes. Pas besoin d'aller loin pour goûter aux délices de la cuisine réunionnaise. C'est le reportage que nous vous offrons aujourd'hui. Situé dans le quartier historique d'Issourak, Chez Sucette fera le bonheur des amateurs de plats créoles. Vous aurez un large choix avec une carte bien fournie. Par ailleurs, le civet et le gibier sont très appréciés par la clientèle, arrosés d'un grand cru. C'est parti alors pour un entretien gourmand. Quel concept est basé l'enseigne Chez Sucette? C'est le surnom de la gérante. Vous vous trouvez au centre d'autres restaurants à Issourak. Cela ne gêne-t-il pas votre activité? Non, cela ne me gêne pas parce que nous sommes l'un des plus anciens restaurants d'Issourak. Quelles sont vos spécialités, vos atouts par rapport à la concurrence? La spécialité, c'est le civet, le kari, et puis le gibier, tel que le fanis, le canard sauvage et le sanglier. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le secteur de la restauration? C'est du parking. Il n'y a pas assez d'espace. Qu'est-ce que vous proposez aux clients pour qu'ils vous restent fidèles? Un accueil chaleureux et un sourire. Vos clients sont majoritairement des étrangers ou est-ce qu'il y a aussi des nationaux? Les deux. Faites-vous partie d'organismes professionnels de restaurants? Oh oui, nous sommes adhérents à la forme. Comment voyez-vous le restaurant Chez Sucette dans 5 ans et plus? Si la crise ne persiste pas, nous allons agrandir la terrasse. Pour accueillir d'autres clients. Et faites-vous une quelconque promotion actuellement? Ah oui, nous faisons le fin du mois à prix modéré. Et votre dernier message alors pour inviter les clients à venir chez Sucette? Nous avons le plaisir de vous recevoir et puis venir déguster notre canard sauvage.